Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure, tout à l'heure aux alentours eh bien de 18h. On ira faire un tour du côté des programmes télé de KTV ce soir. Et puis sinon, nous, on va démarrer avec notre beau plateau. On va démarrer, on est un peu tous galants quand même, hein. On va démarrer par les filles. Charlotte, bonsoir, comment va-t-elle? Elle va bien, merci. C'est Mayotte Nature Environnement, toujours? Oui, toujours. Qui revient pour la combienième fois? Sixième édition. Sixième édition, oui. Pour la fête de la nature et du cocotier. Voilà. Allez, à côté, on a Oulam. Oulam, bonsoir, comment va-t-il? Bonsoir. En forme? Tout à fait. Toujours Mayotte Nature Environnement? Toujours l'environnement. T'es fidèle? Fidèle. Voilà. Ok, on a plein de choses à parler avec toi aussi, donc de la fête de la nature et du cocotier et de plein d'autres choses. Et puis partie artistique, on est tout content de le revoir parmi nous, surtout avec un nouveau bébé. C'est vrai qu'il est productif quand même, il fait des beaux bébés. C'est Caribou Mahoré et c'est Djapo qui est avec nous. Djapo, comment va-t-il? Oui, je vais bien, bonsoir. En forme? Oui, bonsoir Dom, bonsoir les auditeurs. Ça fait un moment que je t'avais pas vu, mon Djapo. Ah oui, ça fait un moment parce que j'étais là, j'ai travaillé sur cet album. Ah ouais. Qui vient de sortir avec des musiciens, des qualités. Donc des... toi, quand tu travailles, on ne voit plus? Ouais, ben il voilà. Faut, voilà. C'est ça. C'est bien. Chez Mahoré, donc. Ouais. C'est un taureau, quoi. Donc, je mets de côté, quoi. Et ouais, voilà. Content de ton produit? Oui, oui, oui. Franchement, je suis content. Vraiment content, oui. J'imagine qu'il est très content. Et puis, t'étais pas tout seul sur ce coup-là, puisqu'avec nous, on a Balolo. Balolo, comment va-t-il? Il est là toujours. D'abord, je dis bonsoir à tous les Mahorais. Et comme c'est la première fois que je participe dans un album comme celui-là. Avec Djapo? Oui. Une fierté. C'est grâce à lui. C'est lui et tu as un sacré look hein, là-dessus. Et tu te alimadises. Non, mais c'est fait exprès. Tu te bourrises. C'est comme ça la tradition. Parce que moi, j'ai l'habitude de tradition. Quoi. Alors, Caribou Mahoré, pourquoi Caribou Mahoré? Oui, pourquoi Caribou Mahoré? Parce que vous savez qu'à Mayotte, les dernières années, il y a eu pas mal de choses dans les réseaux sociaux. Bah, les touristes et tous ces gens-là, ils se posent des questions. Du coup, nous, moi, personnellement, je me bats à un combat pour dire que Mayotte, c'est bien, c'est un endroit... Restez positif. Voilà, c'est un endroit où les gens peuvent venir. Hein. On a pas mal de choses ici hein, que les autres, ils n'en ont pas à l'extérieur. Tout à fait. Donc, bienvenue à Mayotte. Tous ceux qui veulent venir à Mayotte, il est le bienvenu. Et soyons honnêtes de la violence. Maintenant, voilà. Il y en a de plus en plus et partout. Voilà, et de partout. Et partout, donc, hein, on voit la métropole. Voilà, il faut pas pourrir Mayotte et on est dans une île vraiment magnifique. On peut plus aller se promener sur la Croisette à Nice, on peut plus aller en boîte de nuit à Paris. Donc la violence, maintenant, on en a partout. Et c'est même un problème qu'il faudra régler après de manière générale. Générale, j'imagine. Oui. Moi, j'imagine. Donc c'était ça l'idée, c'était de dire, allez, c'est beau chez nous, on a nos petits problèmes, mais il y a aussi plein de choses à côté qui méritent d'être vues, de venir les rencontrer, et les découvrir. Les découvrir, on a les tortues, on a les plages, on a pas mal de choses, les femmes en Salouva, les Msinzanou et tout ça. Bah, ah bon, en Salouva. Voilà. D'accord. C'est les gens, il faut qu'ils viennent découvrir notre culture aussi quand même, parce que... Nous, moi, je pense que à Mayotte, la culture maorée, on l'a laissée quand même de côté, elle est en voie de disparition. Donc, nous, on révolutionne pour ça. Et ouais, c'est un petit peu le même combat, me semble-t-il, du côté de Mayotte Nature Environnement, en tout cas, un peu plus peut-être au niveau de la nature. Mais c'est un combat aussi, ça. Absolument. De rappeler que Mayotte, c'est une beauté, qu'il y a des richesses colossales, que... Complètement. Mayotte est un trésor de biodiversité. On a tendance à dire que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Et donc, il y a quelque chose à préserver et que nous sommes là aussi pour mener ce combat de ce côté-là parce qu'il y a une richesse exceptionnelle. Ouais, à préserver, à visiter, à promouvoir. À déguster, à apprécier. Et ouais, on parlait des femmes en Salouva, hein. voilà, ça fait partie de la nature, on va dire. Ah oui. Toi, tu aimes bien la nature, c'est aussi un de tes engagements. Ah oui, franchement, parce que sans la nature, nous, on ne va jamais survivre. Bien sûr. Donc, il faut préserver tout ça, arrêter de brûler partout. Surtout qu'elle était, soyons honnêtes,
Oulam, elle était encore quasiment vierge il y a combien de temps, cette nature à Mayotte? On va dire il y a 50 ans. Une quarantaine d'années? Ouais. Ah, moi, c'est ce que je... Complètement. Elle était à l'état naturel. Complètement. On n'avait encore pas fait les dégâts qu'on fait maintenant. Absolument. 40 ans, ça passe vite, hein? Ah oui. Ces deux générations? Ouais, complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le fait que ça faisait partie du quotidien des gens, les gens ne se sont pas rendus compte qu'on avait quelque chose à proximité de nous, quelque chose d'exceptionnel, que beaucoup payaient cher pour l'avoir et que nous, ça faisait partie de... On ne s'en rendait pas compte. On ne s'en rendait pas compte. Donc on a construit, on a coupé des arbres, on a déforesté. Ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent, il faut le perdre pour s'en rendre compte. Et là, c'est le point d'irréversibilité qu'on ne veut pas atteindre. Qu'il ne faut pas atteindre. On est actif. Ouais. Bien sûr, il y a le problème aussi récurrent de l'immigration et de la clandestinité qui se rajoute là-dessus, bien évidemment, et qui fait partie de tout ça. Il faut bien se loger, il faut bien construire son habitat, et donc la nature souffre. Absolument. Et en face, on fait pas autant que les dégâts que l'on fait. Oui, Mayotte est un territoire circonscrit. Donc, ça pour veut l'instant, dire que les ressources sont limitées. Ouais. Pour l'instant, on fait plus de dégâts que de réparations. Absolument, ouais. On fait plus de dégâts que parce qu'on est dans la pente montante du développement. Donc, il y a des choix à faire, il y a des zones à préserver. Ouais. Et donc, on est confronté à un choix, même avec la population. Et le fruit de toutes ces sensibilisations, parce qu'il y a quelques belles années qu'il y a de la sensibilisation quand même, et encore pas, par contre, aussi puissant. Oui, c'est vrai qu'en termes de mesures de succès, c'est encore limite. Il faut qu'on multiplie par 10 l'effort qu'on est en train d'envisager, mais ça ne serait pas tardé. Et ouais, Charlotte, vous, c'est plutôt un petit peu l'intendance autour de cette fête de la nature et du cocotier. Oui, exactement. Vous avez l'air fatiguée aujourd'hui. Oula, oui, j'ai couru toute la journée les derniers aléas de l'événement. Ah, c'est dur, la veille d'une grande fête. Oui, c'est un peu dur, mais il faut être en forme. Je vais me coucher tôt ce soir. Ça démarre demain pour les enfants. Oui, exactement, ça démarre très tôt. Les enfants, les jeunes, on va dire. Il y aura de la maternelle jusqu'au lycée. Ah ouais, donc les jeunes au sens large. Au sens très large. Voilà. Oui, puisque la sensibilisation, elle doit toucher tout le monde. Et ça continue samedi? Oui, samedi, c'est ouvert au grand public, donc de 9h à 17h. Et ouais, on a deux sites cette année. Oui, on a La maison ne recule devant aucun sacrifice. Voilà, on essaie d'offrir au public un maximum de choses, un maximum de choix. Et du coup, on a choisi de coupler notre événement avec la fête du cocotier qui se trouve au village de Wangani. Donc situé à quelques pas de Coconi, et il y aura des navettes gratuites entre les deux sites. Et ouais, génial. En tout cas, c'est de quoi passer. Un bien beau samedi. Oui, très chargé même, puisqu'il y a plein d'activités. Avec tout ce qu'il faut, des activités, manger sur place, manger nature, exactement, manger bio. Voilà, découvrir les bienfaits du cocotier et de la nature de Mayotte. Les jus de fruits, bien évidemment. Oui, frais. On en passait des meilleurs, hein, les bonnes brochettes, etc., etc. Pourquoi avoir travaillé avec Balolo Monjapo? Balolo, lui, c'est une machine. Ah, c'est une machine de guerre, Balolo, depuis des années. Voilà, c'est un monument. Non, Balolo, il a un talent potentiel qu'il faut qu'il transmette à nous, les jeunes, qui est délaissé. Et puis, moi, j'ai profité à l'occasion, comme c'est mon papa, je l'appelle papa, et de travailler ensemble, de mélanger son idée et mon idée, de faire un truc bien. Ouais. Balolo, toi, tu as dit tout à l'heure, c'est la première fois que je participe vraiment concrètement comme ça à un album. Parce que toi, t'as joué avec tout le monde, Balolo. Oui. Avec toi, on devrait même commencer par qui n'a pas joué avec toi. Et même là, je crois qu'on aurait du mal à les trouver, en fait. Moi, je peux dire que j'ai pas joué avec l'équipe du B. Voilà, et encore, ça a peut-être failli même. Hein. Mais à Mayotte, alhamdoulilah, t'as joué avec tout le monde me sollicite. Ouais. Et je suis tellement content de ces invitations, sans payer, hein. C'est gratuitement ce que je fais. Hein. Oui, non, mais là, c'est artistique, c'est de manière artistique. C'est artistiquement la rencontre de... Et bonjour, lui, il est venu me dire, je vais sortir un album, je sais très bien que tu viennes m'aider. Ouais. Mais je lui ai dit, moi je connais rien dans la musique. Il a dit non. J'adore, ouais, mais j'y connais rien. Il m'a dit non, parce que moi j'ai commencé par le gros folk, tu vois.
Et j'étais dans les traditions, en fait, j'étais pas dans la musique moderne, tout ça, reggae, tout. Mais finalement, j'ai dit, ben, c'est grâce à lui qu'il a sorti cet album-là. Ouais. Diapo, tu le connaissais, bien sûr. Bien sûr, mais le fait. Non, c'est Tibob qui l'avait dit, que si tu vas à Mayotte, vois Balolo. Bien sûr, mais bon. Travailler ensemble. Il connaissait, déjà il connaissait Bob, donc voilà. Mais après, de connaître quelqu'un, c'est une chose, mais de travailler avec, est-ce que c'était une belle aventure? Ah, franchement, oui, j'ai passé des bons moments avec des grands artistes comme Balolo, Abouchiab, ouais. Demon, ouais. Yatara, il y a eu du c'est monde. C'est ceux aussi. Qui ont participé avec toi là. Voilà, avec. Ah ouais, avec donc attends, alors récapépète depuis le début, donc on a. On a Balolo. Il y a Abouchiab. D'accord, qui n'est pas la moitié d'un. On est bien d'accord. Qui t'a pris encore de mauvais? Il y a eu Démon. Démon qui est vraiment extraordinairement mauvais, une catastrophe. Ça fait des années qu'il, voilà. qu'il est la chanson mauvaise. Mais comme il a un empêchement. Mais donc t'as pris tous les meilleurs. Non, et tu as laissé personne pour les autres. Non, mais moi j'essaie toujours de mobiliser, en fait, d'essayer d'être unis et d'essayer de faire quelque chose, parce que c'est ça qui va faire notre force chez nous ici. Là. Bien sûr. Donc si chacun croit qu'il sait faire et il ne va pas voir les grands, ben, on ne peut pas s'en sortir. C'est comme dans les villages, les papas, les mamans, bah, tout le monde, ils vont pas avec les jeunes, donc on se dit, les garçons, il y a un souci, mais j'ose pas imaginer vos répétitions quand même. J'ose pas imaginer vos répétitions quand même, hein. Parce qu'avec tous ces farfelus là de l'ancienne génération, mais qui sont des tueurs, tu sais, mais alors ça a dû être terrible. Mais par contre, les voulets ont dû être bons. Oui. Ben nous on aime la musique, hein. Mais bien sûr. On peut pas quitter comme ça. Ben comme nos grands nous disent, allez à la mosquée, allez à la mosquée. La musique, lui, il n'empêche rien. Tu peux aller à la mosquée, tu peux faire tout, après tu. Et il y en a. Et il y en a à la mosquée, il y en a la musique. Alors, c'est la vie. Elle est peut-être parlée, psalmodiée, mais c'est de la musique des paroles, des mots et de tout ça. Hein. Comment va le petit frère d'ailleurs, on en a parlé là vite fait, petit Bob. Tibob, comme il était à Mayotte récemment là, et j'ai appris pour la triste nouvelle. La triste nouvelle de nos mamans qui est décédée. Et Dieu le laisse en paix. Et il va bien. Et ouais. Et toujours à La Réunion. Il est fort toujours. Avec ses concerts à droite, à gauche. Toujours à droite, à gauche, etc. Au milieu. Et ouais. Il nous manque un peu, hein, notre petit Bob national quand même. Il aurait manqué, il aurait fallu qu'il soit là-dedans. Hein. Franchement, oui. Ah ouais, je pense que voilà, après, tu avais l'équipe au complet. Hein. Non, mais après, il faut prendre ceux qui sont là. Et ouais. Des animations, tombola, jeux, danse traditionnelle, concert des 10-15. Quelle belle journée, ma Charlotte. Oui, il y aura de la musique aussi. Donc oui, il y aura le concert de 10-15, comme on l'a dit. Et beaucoup d'associations villageoises des alentours qui vont venir nous faire un petit coucou, accueillir le public et qui seront là un petit peu tout au long de la journée. Alors on rappelle demain, donc c'est pour les jeunes, les scolaires, etc. Oui. etc. qui vont aller se faire plaisir à découvrir tout ça. Dimanche, ça ouvre à quelle heure le matin? C'est samedi. Samedi, pardon. Ça ouvre à 9h. À 9h? À 9h jusqu'à 17h. Oh, vous êtes pas matinaux à la campagne là? En fait, on est très matinal demain et on s'est dit que le samedi... Ouais, voilà, les gens allaient arriver tout doucement. Donc oui, que c'était samedi. Voilà. Vous avez raison. Dès qu'on arrive, on peut se prendre un petit déjeuner, j'imagine. Oui, il y aura déjà des Il y a déjà les jus de fruits, il y a déjà tout ce qu'il faut. Mm-hmm. Et ouais. Qui sont les partenaires et autres sensibilisateurs que Mayotte Nature Environnement sur cette opération? Alors, nos partenaires principaux, ce sont les associations. Ouais. Parce que c'est vraiment une journée dédiée aux associations. Donc, on a qui là? Là, on en a beaucoup. On en a sur toutes les thématiques, sur les tortues, le lagon, le sol, l'eau et l'énergie. L'érosion, donc. Oui, ça va. On va parler aussi de l'érosion. Donc, oui, on en a beaucoup. Cette année, on en a une vingtaine. Il y a pas mal de choses qui se sont montées du côté du parc marin. Le parc marin sera présent samedi avec Thionno. Entre autres, je crois qu'il faut aussi quelque chose sur l'érosion. Il était Sam, me semble-t-il. Alors, c'est un site. C'est les naturalistes, pardon. Oui, peut-être, peut-être une petite confusion. Oui. Donc ça va sensibiliser. Oui, ça sera classé par thématique et il y en aura vraiment pour découvrir un petit peu tous les thèmes sur la nature. Oulam, pourquoi le cocotier? Eh ben, le cocotier, c'est un exercice qu'on a voulu jumeler avec la mairie d'Enbeni, puisque auparavant, c'était une activité de la fête de la nature
qui était porté par une fédération à l'échelle territoriale, et il fallait qu'on imbrique complètement en impliquant la population de la commune pour faire quelque chose qui mobiliserait plus la population, puisque sa vocation première, c'est la sensibilisation. On est toujours dans ce combat de préservation de la nature, de la biodiversité, et qu'il nous paraissait important que la population, du moins de la localité, soit complètement intégrée, associée dans cet événement. Et on a couplé ces deux événements avec la commune. Où on en est justement de cette cocoteraie à Mayotte, qu'on disait vieillissante et souvent coupée, pas replantée? Il y a quelques expérimentations qui ont été pilotées par le lycée agricole de Coconi. Ouais. Et c'est vrai que quand vous regardez d'en haut l'âge des cocotiers, vous apercevrez que la génération suivante n'a que consommé. Et donc là, il y a matière à faire un gros effort de plantation, puisqu'il était utilisé donc dans la cuisine traditionnelle. Donc c'est toujours d'actualité planter et replanter du coco. Vous-même, vous regardez dans le paysage que vous avez sur la toposéquence des cocotiers qui sont très hauts. Qui sont très, très hauts, qu'il faut qu'il y ait une génération future qui prendront le relais. Et ces mélanges d'espèces qu'on avait fait entre le géant de Mayotte et le petit nain de je ne sais plus où Côte d'Ivoire. Ouais, je sais plus lequel c'est qui avait été pris. Bon, ça continue cette opération? Ça continue. Il y a des plants qui sont vendus aux cocotiers, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont planté, mais les résultats, tu sais, le cocotier, c'est 10 ans minimum pour que ça donne. Il faut un peu de temps pour voir cette Mais en tout cas, l'intérêt, c'est qu'ils montaient moins haut et qu'ils étaient productifs plus rapidement, me semble-t-il. Ouais, l'idée, c'est tout à la Putain, main. Je suis bon en cocotier, hein. Ouais. Ah là, il a, je suis bon en cocotier. L'idée, c'est tout à la main. Ouais. Donc on encourage vraiment les gens à planter. Oui, le cocotier, mais aussi les arbres, parce que quand vous voyez le paysage, c'est un peu dénudé et qu'il est soumis, exposé aux impacts pluviométriques, donc problème de l'érosion, donc problème d'engraissement de l'argon, donc des nuisances. Oula, j'ai un grand terrain, je voudrais planter des cocotiers, où sais-je que je pourrais me procurer des plants? Et c'est comment? C'est financier? C'est comment? Je suis pas spécialiste de la thématique, mais je sais qu'il y avait un grand effort d'accompagnement et que faut voir les instances qui sont concernées pour voir. Ce que j'ai compris, qu'il y avait des tarifs attractifs pour que ça soit à la portée de tout le monde. Mais donc, si j'ai une volonté de planter mon hectare avec des cocotiers, je peux. Vous pouvez avoir ces plans. Et c'est même conseillé. Complètement, puisqu'on a associé deux variétés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le local qui porte son patrimoine génétique adapté au contexte local. Donc du coup, les aînés ont toujours ce goût des produits locaux qui font le charme de nos produits. Surtout que si ça se raréfie, son prix va augmenter quand même de la coco. Hein. Complètement. Bien sûr. Donc il y a une logique aussi commerciale derrière tout ça qui serait évidente de prendre en conscience. On rappelle cette fête de la nature et du cocotier qui démarre donc demain matin pour les jeunes. Il y en a 750. Là, vous allez les garder vous toutes seules Non, nous, on va juste entre guillemets les redonner aux associations. Moi, je vous verrai bien, Charlotte, avec 700 enfants autour de vous. Là. Non, je ne pourrais pas gérer tout ça, mais toutes les associations vont s'en sortir, j'en suis sûre. Non, je plaisante. Et puis surtout samedi, donc à partir de 9h, et là, bien sûr, il y a d'un côté au lycée agricole de Coconi avec le marché habituel, hein, bien évidemment. Oui, il y aura des exposants, oui. Avec en plus votre participation, donc avec des exposants. Et puis bien sûr, sur le village de Wangani, et entre les deux, on a une navette. Exactement, une navette gratuite et à disposition. Donc il suffit juste de nous dire « je veux une navette » et la navette arrive. Voilà. Et donc je peux aller de Coconi à Wangani. Et je peux le faire plusieurs fois dans la journée. Oui, exactement. Et je peux le faire dans la journée, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, ça passe par Kahani aussi. Oui, autant de fois. Les garçons, vous allez être en concert tout rapidement. Ce sera le samedi 20. Oui, samedi 20, ouais, à Ambouigny. Il faut que les gens viennent. Spécialité poisson grillé. Et il y a du lourd, il y a du dadi api, il y a du liro. Des mots, Samborok. Et puis bien évidemment toi. Voilà, enfin vous.
Et ça se passe au Lascap Bar à Bouigny. Le, bien sûr, restauration et tout ce qui va bien avec. Voilà, tout ce qui va bien. Et le concert sera les pieds dans l'eau. Hein, et ouais, à la plage. L'entrée est à 5 euros. Ouais. On pourra s'y procurer l'album ? Oui, il y aura l'album. C'est lui qui souhaite puis l'acheter là-bas. Et ouais, sinon, cet album, je peux me le procurer où si jamais je ne vais pas au concert ? Au Makoué. Ouais, Makoué Snack Bar. Oui, et puis chez Lascap Bar pour l'instant. Quoi. Ok. Voilà. Combien il est en vente ? Il est en vente à 10 euros. Oui, c'est cadeau, quoi. Ah oui. Et c'est cadeau pour 8 oui, titres. Oui, ça, on l'a fait pour pour le monde, quoi. Ouais. Mais on n'a pas fait pour gagner. Pour gagner Non, ça, on l'a fait pour que nous, les Maorais et les autres. On met notre musique. Voilà, on a notre musique. Ça saurait si on gagnait de l'argent dans la musique. Ben... je me trompe ou pas, ça saurait si on gagnait de l'argent dans la musique. T'es toujours de ta poche. Oui, toujours. Ah, c'est toujours toi qui finance ton plaisir, en fait. Voilà, c'est clair, parce que j'aime alors, ça. Alors après, vendre un disque, ça aide un peu, voilà, mais c'est plus pour le plaisir de le sortir. Ouais, c'est, bah oui, 100%. Hein. Et d'entretenir les copains, de se dire, voilà, les gars, on a sorti quelque chose. Ouais. Une grande soirée, donc, qui va démarrer aux alentours de quelle heure? Là, j'ai pas bien vu l'horaire. 21h. 21h. Mais avec Djapo, Djadi, Daddy Happy, Liro, Demo, Mzamborok, on va jusqu'au bout de... Jusqu'à l'aube. Jusqu'à le matin. Voilà. Oui, voilà. Ça, tant pis, parce que tu sais, maintenant, la route de Mayotte, c'est codé. Oui. Et nous, on dit, au lieu de commencer à 20h30, vous mettez, commencer à 21h jusqu'à 6h du mat, comme ça, les gens... Voilà. C'est comme Mayotte d'avant. Mais bien sûr. Parce qu'on jouait jusqu'à lever du soleil. Mais tout à fait. Et Papa Joe reprenait... la musique jusqu'à midi. Tout à fait. Et nous, on ne peut pas jouer jusqu'à... Maintenant, c'est fini. Ouais. Et alors, passez un peu. Allez, ils sont avec nous. Djapo, Balolo, bien sûr, Charlotte et Oulam. On va continuer à parler d'un côté de cette sortie de cet album Caribou Mahoré de Djapo. Puis on va continuer à parler de la fête de la nature et du cocotier. On va continuer à parler de tout ça, juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Avant de revenir à nos invités, petit rappel sur nos programmes de ce soir à tout juste 19h, le retour du Grand JT présenté par Amina Hariti. Pas mal d'invités ce soir dans ce journal puisqu'on retrouvera Charlotte oui. de Mayotte Nature Environnement qui va continuer à faire la promo de cette belle manifestation. Et puis on retrouvera Sandro qui est président outre-mer du syndicat des jeunes agriculteurs. Et puis Samuel qui lui est président de la Fédération nationale des jeunes agriculteurs du beau monde qui risque de vous intéresser un petit peu, hein, je pense. Oui, c'est sûr. Hein 19h35, le temps de parole du jour. Le premier sera consacré à Salim Naouda de CGTMA. Et puis le deuxième à 21h35, le retour de Daniel Zaïdani. On découvrira donc tout cela ce soir. On est toujours avec Djapo qui vous propose Caribou Mahoré qui vient d'arriver. C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ouais. Content du résultat? Oui, entre le moment où tu as décidé de faire le deuxième et le produit fini Non, ça va, franchement je suis content. Eh ben ouais, parle vraiment de la culture maoré, donc, ouais. Maoraise, donc voilà. C'est important d'être content de son produit. Voilà. Alors même si on est toujours jamais content, on voudrait toujours tu sais, le petit truc et machin, mais c'est important. On est toujours bien sûr avec Balolo qui a participé bien sûr à Caribou Mahoré. Et qui dit Caribou Mahoré, depuis que je le connais, moi, il me dit Caribou Mahoré, Balolo. Revenons un petit peu à cette fête de la nature et du cocotier. Bien sûr, samedi, pour le grand public, on aura le marché. On aura plein de choses. En fait, on peut y rester, vraiment, on peut y passer facilement la journée. Oui, bien sûr. On peut faire ses courses sans marché. On peut faire ses courses et découvrir surtout les associations. Il y a des projections de films qui vont être là toute la journée en boucle. Vous avez vu à l'écran ?
Voilà, je Charlotte. Je suis dans le thème. Voilà, on a vu que vous aviez mis les couleurs. Hein. Voilà, je représente l'événement. Voilà, il y a du le cocotier est bien porté cette année. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, alors continuons donc. Donc oui, c'est vraiment une journée où on peut facilement y rester toute la journée, voguer entre les deux lieux. Il ne faut pas oublier qu'à 16h, donc, il y a le concert pour clôturer. Et à 17h, il y a le fitness géant aussi à Ouangani. Ouais. Donc les fitness géants et les concerts, généralement, ça va bouger. Donc voilà, ça va être vraiment une journée bien chargée. Ouais. Et surtout, on a une grande, grande tombola cette année, vraiment exceptionnelle avec des lots... bien dotés, on va vraiment, dire. Vraiment, oui. On a, le premier lot, c'est un billet d'avion pour Dar es Salaam ou Madagascar, offert par Interrail. Je veux le ticket gagnant. Comment je ferai pour avoir le ticket gagnant? Alors, sur place, il y aura le stand d'accueil qui va vendre tous nos tickets. Oui, mais comment je sais que c'est le ticket gagnant? Ah bah là, il faut croiser les doigts, mais vous avez beaucoup de chance au moins de gagner un lot. Rien qu'en croisant les doigts, ça fait gagner ça le... Ça peut marcher, Là, on va être nombreux à croiser les doigts. Hein. Oui, mais il y a de nombreux lots, donc ça devrait aller. Oui. Il y a des sorties bateaux, des sorties ULM, des sorties plongées, que kayak. Que du bonheur, donc. Vraiment beaucoup de choses, oui. En rapport avec la nature, en plus. Le panier ne sera jamais assez grand pour tout ramener. Non. Donc on pourra en acheter sur place des paniers. Oui, oui, oui. J'imagine. Il y aura plein de choses. Et ouah. Oulam, Mayotte Nature Environnement, ça serait quoi le plus gros problème de Mayotte en ce moment? Environnementalement parlant. Eh bien, l'une des conséquences de ce qu'on nous a vécu, c'est cette problématique de changement climatique. On l'a vécu par le problème de rationnement d'eau qui est lié au débasement, au défrichement, quand vous voyez le cycle de l'eau, on est vraiment dans la thématique. Parce qu'avant, le changement climatique, c'est quelque chose qu'on pensait que ça ne concernait pas que Mayotte. Aujourd'hui, les choses sont réelles, sont visibles, sont palpables. Et moi, donc, il y a cette conscience. J'ai l'impression, Oulam, qu'on a des problèmes partout. C'est vrai, mais... Tu vois, j'ai l'impression qu'on est là en train de boucher les trous du bateau. Tiens, là, il faut tenir la cocoterelle, là, il faut tenir la mangrove, là, il faut essayer de sauver les animaux, là, il faut essayer de pas polluer le lagon. J'ai l'impression qu'on est en train de paniquer devant des problèmes qui s'annoncent à nous. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes de développement qui sont liés à un manque d'anticipation de l'ensemble de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs angles d'attaque. Ouais. Par rapport à nos ressources, on n'arrive pas à combler les problèmes, on est obligé de les fractionner et de travailler dans le futur. Et c'est ça qui est difficile, à la fois avoir cette vision de développement, de préservation. Souvent, elles sont conflictuelles. Ouais. Qui en est responsable? Est-ce que c'est les populations? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est l'État? C'est tout le monde, parce que à Mayotte, on est sur des problèmes vitaux. Donc déjà, ce qui constitue la base même d'un être humain, manger, boire, se vêtir, on a des problèmes extrêmement importants et que si ces problèmes se posent, le problème de l'environnement est secondaire. Ouais. Donc du coup, c'est ce qu'on n'arrive pas à intégrer, c'est qu'on comble les préoccupations vitaux. Et puis après, on est en mesure d'attaquer le second. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'on culpabilise un peu les populations quand même. Alors certes, on jette tous des canettes, certes, on fait tous des dégâts. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier les grands pollueurs industriels, mondiaux, etc. Ceux-là, en ce moment, ils sont en train de se faire oublier. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donald Trump a un peu aussi mis en doute tout cette avancée. Tu vois, j'ai l'impression qu'on manque de Greenpeace. Absolument. Tu sais, de gens qui sont... Allez, faut rappeler que c'est quand même eux qui polluent le plus. C'est vrai. Les grands pétroliers, les grands plastivores, les grands... C'est vrai, mais ça, si on se place à l'échelle macro, mais si on est à l'échelle de Mayotte, c'est vrai qu'il y a des préoccupations plus importantes à régler. Déjà, il faut que la population arrive à manger. Et là où nos messages butent, c'est parce mais que... Je te rassure, moi, je ne suis pas tout jeune. Hein, je le cache à personne. Moi, je me rappelle du combat du commandant Cousteau sur les boues rouges en Méditerranée. Ouais. J'ai découvert récemment que le problème existait toujours. Non, c'est vrai. Ça fait 50 ans que j'en ai entendu parler. C'est pourquoi le message est pas souvent très, très, très percutant, très crédible, parce que vous avez les grandes sociétés qui continuent toujours à faire leur truc, et en même temps, on va charrer aux petits. Et ils te lâchent ça au fond de la Méditerranée, au bout du tuyau. Hein. Mais c'est un effort collectif que même à petite échelle, les efforts sont comptabilisés. N'oubliez pas que c'est les petits ruisseaux qui font la grande... Alors par contre, moi ce que je pense, c'est que nous, les populations, on peut leur mettre la pression.
Là, je suis, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Non, nous, vrai. Les populations, on peut leur mettre la pression. C'est vrai. Mais il faut des gens qui sont déterminés, qui vont aller au bout. Et c'est vrai que par rapport à la puissance de ces gens-là... Oui, mais on a Charlotte. Écoute, elle va s'occuper demain de 700 enfants à elle toute seule. C'est vrai qu'on se dit qu'après tout, cette sensibilisation, il faut l'attaquer aux jeunes parce en tout que cas, ce faut... sont les relais de demain. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras. Voilà, si on commence à baisser les bras, alors là, c'est fini pour le coup. Puis demain, ça sera aussi l'occasion pour les jeunes de découvrir des nouveaux métiers. Et pourquoi pas d'avoir une révélation. Tiens, j'ai envie de faire chargé de communication en environnement. Ou tiens, j'ai envie d'être garde pour les plages de Ponte. Voilà, il y a plein de métiers aussi à découvrir. Et c'est vrai que ça peut devenir un projet de vie. Bien sûr. Bien sûr. Allez, on revient. Caribou Maoré, Diapo, 8 titres. Sur ces 8 titres, lequel c'est ton bébé, vraiment bébé, le morceau que tu préfères pour toi? Caribou Maoré. Ouais, c'est voilà. C'est pour ça que t'as fait le disque et donc c'est ton titre préféré. Ben Lolo, toi c'est lequel? Les tout. Toi tout? Oui, parce que c'est. C'est Caribou Maoré. C'est Caribou Maoré. J'aime tous ceux qui sont là-dedans. Moi je peux pas choisir. Hein. Tu peux pas choisir? Non. Mais je crois sinon je le diffère juste un morceau. Ah. Tu vois? Et j'aime tous les morceaux qui sont là. Mais il me semble que c'est pareil avec les femmes. En tout cas, moi j'aime tous les femmes. Toutes voilà, les femmes sont belles. Tu vois ce que je disais. Bon, Diapo, tu as abordé quel sujet? Parce que je vois, on parle de tout là-dessus, politique. Oui, il y a de tout. Hein. Il y a la politique, il y a ce qui se passe à Mayotte, ce qu'on a oublié, la culture, tout ce qui se faisait avant. Ouais. Et tout ce qui existe maintenant aujourd'hui. Donc, j'ai parlé de tout. Quoi. Ouais. Des Biaya, des Chakacha, j'ai parlé de tout dedans. Quoi. Diapo, tu as des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Est-ce que tu transmets la culture? Oui. Est-ce que c'est facile de transmettre la culture à cette petite génération là qui comprend pas bien? C'est difficile. C'est très difficile. Ils ont des tablettes maintenant, ils ont des trucs, alors ils se disent mince, allez taper sur un djembé. Ça passe pas. Non, ça dépend. Il faut trouver le petit truc pour leur faire comprendre. De toute façon, les enfants d'aujourd'hui, ils sont dans les réseaux sociaux, donc il faut savoir comment on va. Il faut les sortir un peu de temps en temps. Voilà, d'essayer de les expliquer et puis. Ouais. Voilà, ne pas leur mettre aussi la pression de faire ce qu'on leur demande de faire. Et voilà. Le prochain est en préparation déjà, donc. Non. On va essayer de tourner avec celle-là là, ouais. Pendant un bon moment et essayer de. En fait, moi, mon projet, c'est de réunir tous les artistes jeunes comme moi et ceux qui veulent et d'essayer d'en parler parce que la musique mahoraise, aujourd'hui, on n'en voit pas. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien qui se passe à Mayotte, c'est pas animé. Et malheureusement, ça, c'est un problème qui pose vraiment parce que les gens qui vont venir de Paris, qui vont venir voir les cocotés de Mayotte, s'ils ne voient pas de trucs, la musique locale, mais tout à fait. Voilà, c'est comme tu vas à La Réunion, partout ça joue des djembé, des maloya, quand tu vas à Martinique, c'est la même chose. Le zouk, à Mayotte, rien du tout qui se passe, quoi. Ouais. Au contraire, on leur fait écouter du zouk, on leur fait écouter du reggae, on leur fait écouter des R&B. Des trucs à l'extérieur, mais l'objectif, c'est pas ça. C'est moi, c'est vraiment révolutionner pour la musique mahoraise d'être à l'avant, pour Mayotte déjà, quoi. Et là aussi, moi, je reste persuadé que derrière tout ça, il pourrait y avoir quelques métiers aussi qui pourraient se créer autour de la musique. Voilà. On a un concert donc le samedi 20 mai au Lascap Bar à Mbouini. Ça, c'est juste avant le Ramadan. Oui, juste avant le Ramadan. La tournée va reprendre après le Ramadan. Oui, après le Ramadan, on va s'organiser. Il y a le festival de Boudelille aussi. Ah oui, chez Colo. Qui va se présenter. Aussi, je suis en train de voir avec la ville de Kungu pour le FESCO. Et puis, on va enchaîner avec des tournées. Et on peut te contacter donc pour te proposer une salle. Oui, tout est possible. Un lieu de concert. Je suis partant pour ramener ma culture et ma façon de voir les choses. Ok, on donnera les coordonnées de contact juste après. Les garçons, vous nous aviez promis tout à l'heure en arrivant de nous faire un petit live.
Oui, moi avec Balolo. Eh bien, je vous propose d'aller rejoindre notre petite scène qui est petite par la taille, mais grande par le cœur. En attendant, on va rappeler que la fête de la nature et du cocotier, c'est pour demain pour les jeunes, hein, pour les scolaires, et samedi, grand public. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Bon, on a tout dit, on a juste. Venez nombreux, venez, c'est gratuit et vous avez de quoi vous occuper toute la journée. On rappelle qu'il y a deux sites, qu'on peut se balader entre les deux sites. Qu'est-ce qu'il y aura du côté du village de Wangani ? Il y aura beaucoup d'activités autour du cocotier spécifiquement. Ouais. Donc, par exemple, sur la cuisine, la fabrication d'huile. La cuisine ! Les petites recettes. C'est trop bon, tout ce qui est au coco. C'est ça. Donc il y aura plein de choses à découvrir, mais moi-même, je vais découvrir aussi sur place toutes ces activités à Wangani. Oui. Le doigt dans les casseroles. Oui, surtout. Voilà. Et pour apprendre les secrets de beauté avec le cocotier aussi. Et puis c'est des grands moments parce que souvent, il y a des gens qui parlent de ça avec vraiment beaucoup de bonheur. Oui, il y a un gros partage entre entre tout le monde en fait, durant cette journée, entre les associations, les artisans locaux. Winnie, comment tu fais ça avec le coco ? Elle t'explique tout ça. Voilà, on s'échange les savoir-faire. Bien sûr. Oui. Vous y serez bien sûr les deux jours ? Oui, j'y serai, oui. Le grand chef, il y sera aussi ? Absolument. Et ou quoi ? Peut-être aussi passer un petit merci à toutes les personnes, toutes les forces vives, les énergies. On va y revenir. On a encore le temps. Allez, le cachoquet du soir, et ben c'est Japo. On rappelle Caribou Maoré, son dernier album. Il est tout beau, il est tout chaud et il vient juste d'arriver. N'hésitez pas à vous le procurer. On les écoute, c'est tout de suite. Parti longtemps, sacrifié pas mal de temps. J'ai passé ma vie à sillonner les océans. Mon île, mon étoile, mon arc-en-ciel, ma lumière, mon rayon de soleil, mon inspiration, mon accent, ma détermination, mon apaisement, ma vibration. Alors viens chez moi, Caribou Maori. Alors viens chez moi, les retire au sommet des montagnes, ma carte postale, là où mon cœur s'installe. La chaleur, elle est belle, femme. En Salouvana, Kishali, alors viens chez moi, Caribou Maori. 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 Sur le sable blanc, les vagues au soufflement, aux marées montantes, alors viens chez moi. La joie et le bonheur, je suis rien sans mon île. Le respect et l'amitié, ma couverture, ma santé, Djadjalouva. Alors viens chez moi, Caribou Maori. Alors viens chez moi, Caribou Maori. Alors viens chez moi, Caribou Maori. Alors viens chez moi, moi, Caribou Maori.
Natungu nzuzuri rina Karibu maore Watu mama watu wazuri Karibu maore La pula jiza tunzuzuri Karibu maore Manati muzuri Karibu maore Bless! Eh bien voilà, vous l'avez compris, c'était le titre éponyme, bien sûr, de cet album Caribou Maoré, Djapo, avec un mélange des langues en plus. C'est bien de... Mais voilà, et puis c'est bien d'inviter, c'est bien d'inviter les gens à comprendre la langue mahoraise. Oui, c'est important parce que quand on va à Paris, eh ben, on parle français. Et bien sûr. Mais quand les gens viennent à Mayotte, eh ben, il faut qu'ils parlent mahoré. Mais tout à fait. Un peu. Il faut qu'ils essayent parce qu'il faut s'adapter. Hein. Mais bon. Justement, en faisant ça avec ce mélange, ben, ça amène les uns aux autres. Oui, oui, oui. Il faut faire des choses où les autres peuvent aussi comprendre. Et wow. On rappelle ce concert avec une pléiade d'artistes, hein, puisqu'il y aura toi, Djapo, Jadid, Daddy Happy qui nous arrive du Guyana, bien évidemment. Liro Demo, Zamborock, Liro. On le voit pas souvent sur scène. Si, il est chaud en ce moment là, donc même samedi la tournée, il a été au Makwe. Ouais. Donc là, il fait pas mal de choses là en ce moment, il est motivé là. Et ouais, il est jamais venu ici. Hein. Ah oui, il a un peu peur, je pense. Je sais pas pourquoi. Allez, ce sera le samedi 20 mai au Lascap Bar Mbouini. Le prix d'entrée, on le rappelle, 5 euros. On y trouvera bien évidemment l'album. On rappelle que l'album, on peut le retrouver donc ben là, au Lascap Bar. On peut le retrouver où aussi au Makwe, à Tarano. À Tarano. Et ouais, l'adresse internet qui est derrière. Voilà, mola-zada@hotmail.fr. Oui. Il y a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook, ouais. Marabout Djapo. Marabout Djapo, on laisse son numéro de téléphone pour proposer une salle, un concert. Un oui, truc. Oui, mon numéro, c'est le 06 39 ouais. 20 78 05. Et ouais. Vous aurez le temps de monter à Coconi samedi? Samedi, oui, pourquoi pas, hein. C'est ouais. Des choses très importantes, il faut aller voir. Et ouais, et ben voilà, vous aurez déjà au moins deux visiteurs. Malheureusement, on n'est pas invité sur le concert, mais alors justement, nous, on est vraiment attaché avec l'environnement. Ouais, ouais. Et bah, j'espère que l'année prochaine. Oui, bah oui, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Hein, on leur donnera la thématique bien avant pour qu'ils puissent s'en inspirer de et à la limite, même écrire une chanson dessus. Bien sûr. Voilà. L'année dernière, on a fait venir des artistes d'ici qui ont chanté sur la thématique de l'environnement et que ça a donné l'occasion à une belle promenade intellectuelle à la fin de la journée. De la journée. Là, ce week-end, ce sera les 10-15. Oui, hein, c'est qui ça. Nous arrive de Petite Terre. Voilà, ils sont d'ici et ils ont des chansons un petit peu emblématiques sur l'environnement qui ont pas mal marché à Mayotte. Ouais, et puis ils sont bien, ils sont pour la paix dans le monde, ils sont pour plein de choses. En tout cas, entre les communes de l'abattoir et de Pamandzi, etc., etc. Il y a un gros travail derrière ce groupe et c'est tant mieux. On rappelle que l'entrée est gratuite. Exactement, tout est gratuit. C'est rare de nos jours d'avoir des entrées gratuites quand même. Et Dominique, je t'ai dit qu'on a déjà une chanson pour eux. Ouais. On va les préparer avec Djapo. Ouais. Qui je te donne déjà le titre, qui s'appelle Shtsa. Ouais. Shtsa, c'est la forêt. Ça vous va? Ouais. Super. Nickel. Hein, peut-être Charles, que ce sera la prochaine thématique de la fête de la nature. Voilà, je crois que vous allez pécho un 639 qui va être bien pratique. Hein, je sens que ça va être un bon plan. En parlant de contact téléphonique. Alors, le numéro, c'est 06 39 61 68 88. Ouais. Voilà, c'est le numéro qui est inscrit sur notre affiche. Et, ouais. Et nous aussi, on a une page Facebook, Mayotte Nature Environnement, où vous pouvez retrouver tout notre programme et tous les lots pour la tombola aussi. Et ouais. Justement, toi, Oulam, tu voulais remercier des gens, vos partenaires.
Oui, je laisse peut-être à Charlotte ce bel exercice. Et tu lui fais déjà porter des cocotiers. Simplement, hein. Moi, je dis simplement que Mayotte Nature Environnement est arrivé au seuil d'explosion de ses activités. On est toujours dans cette idée de sensibilisation de l'environnement. Là, on est sur la fête de la nature, mais on a aussi un bus de l'environnement, mais qui va aller vraiment au fond de village pour aller captiver ces jeunes, pour vraiment les inculquer cette culture de la protection de l'environnement qui va sillonner sur les 240 établissements scolaires, primaires. Mais vraiment, c'est la grosse artillerie qu'on va... Il y a du boulot, je sens, Charlotte. Hein. Oui, il y a du boulot, mais c'est un beau projet. Là, ils vous ont fait un planning, là, pas piqué des hannetons. Hein. Les partenaires, Charlotte. Oui, là, il y a du monde à remercier. Il y a déjà toutes les associations, on les remercie. Il y en a qui sont là depuis toutes les éditions. Donc, un grand merci à ces partenaires-là. Un grand merci également au lycée agricole de nous accueillir sur ce magnifique lieu. Merci aussi au lycée professionnel de Chirongi qui nous a fait l'affiche grâce à leurs élèves qui sont en formation média. Un concours un peu d'élèves. Ouais, c'est un petit concours entre eux d'affiches et l'affiche, elle est magnifique, il faut le souligner. Donc, merci à eux. Merci aussi au réseau EDD, éducation à l'environnement et au développement durable qui nous a apporté un grand soutien. Et évidemment, merci aux partenaires financiers qui sont la DEAL et l'Europe. Et merci aussi aux partenaires pour la Tombola, puisqu'il y a énormément de lots cette année à gagner. Merci l'Europe, en tout cas les garçons, Japo, qui remercier pour cet album. J'ai vu derrière déjà quelques noms. Non, je remercie tous les gens qui ont participé, Demo, Abouchiab... Tara, Dex et aussi Balolo. Ouais. Et les filles qui ont participé, je remercie et toute la population de Mayotte et ceux qui habitent à Mayotte, surtout ma femme et mes enfants aussi. Et maman. Moi. Voilà. Eh bien, écoute, tu les embrasseras de notre part, hein, madame et les enfants. On rappelle que cet album est en vente au prix de 10 euros. On rappelle ce concert samedi 20 mai. Il y a aussi la Scap Bar. Ouais, au Lascap Bar, donc à Mbouini, restauration sur place, l'entrée 5 euros, l'album en vente sur place, et puis on peut le retrouver, tu m'as dit tout à l'heure, à Zarano, au Makwe Snack Bar, qui remercie mon balolo. Eh ben, je remercie à tous les Maoris qui vont acheter cet album, je sais qu'ils ne vont pas regretter, et sans eux, on ne peut pas faire l'album. Et peut dire que comment l'État, c'est pas quoi, c'est nous qui font notre travail. C'est nous qui traçons notre chemin. Sans la population, nous ne pouvons rien faire. Mais bien sûr. Oui. Avec leurs aides, on va faire la troisième. Il va faire sa troisième album. Et mola-zada@hotmail.fr. Moi, Arbout Japo sur Facebook. On peut laisser des messages, on peut liker, on peut aimer, on peut, etc. Il y aura bientôt un clip. Oui, bientôt. Oui, on et vous repasserez Bientôt. Et puis, après le ramadan, il y a toute une série de concerts, et vous revenez. Ok, vous pas d'homme. Les garçons, en tout cas, Japo, merci. Merci pour le petit live, mon balolo. Merci, Dominique, et j'espère qu'on se voit. Tu as vu que mes causes ne changent pas, la chanson, la nature, etc., etc. En tout cas, merci, balolo, merci, Japo, merci, Oulam, d'être venu. Merci, Charlotte, rapidement, peut-être une adresse internet, une page Facebook pour Mayotte Nature Environnement. Alors, mayottenatureenvironnement.com ou sur Facebook, Mayotte Nature Environnement. Et voilà. On vous embrasse bien fort, on se retrouve. Oh, on se retrouve pas demain. On a un petit peu de quelques réglages à faire. On se retrouve lundi, même lieu, même heure avec d'autres invités. Lundi, on partira du côté de Kaweni avec le collectif des jeunes de Kaweni, un collectif qui vient de se créer. Ce sera à découvrir lundi. On vous embrasse, ainsi va la vie. Salut!